Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez très très bien. Alors tout d'abord, je vais procéder au tirage au sort des commentaires reçus pour vous offrir cet APC. Donc en fait, c'était une vidéo que j'avais passée il y a quelques temps sur le pas à pas de... Comment dire, de ma façon de faire des APC. Et en fin de vidéo, en fonction des commentaires que j'avais reçus pour cette vidéo, j'avais dit que j'offrirais cet APC pour l'une d'entre vous. Alors, j'ai eu quelques commentaires. Donc, en fait, j'ai eu un commentaire de Chanel Scrap, un commentaire de Tagada 83 Créa, un commentaire de Véronique Audrade, un autre de Véro S, ensuite un commentaire de Nathalie Fréré et le dernier, un commentaire de Bresson Lavigne. Donc je devais procéder au tirage au sort la semaine dernière. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de ce fait. Je le fais aujourd'hui et j'enverrai ce petit APC à l'heureuse gagnante. Donc, j'ai mis à l'intérieur donc les 6 personnes qui m'ont mis un commentaire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là par exemple, donc un petit papier avec le nom de Véronique Audrade par exemple. Donc voilà, je les ai pliés. Je mets dedans. C'est la fille qui va procéder au tirage au sort. Attends, pardon. Elisabeth Bresson-Lavigne. D'accord. Alors, Elisabeth Bresson-Lavigne, c'est toi qui a gagné. Alors, si tu peux je n'ai pas ton adresse, puisque les autres personnes, j'avais, sauf Tagadoc, je n'ai pas son adresse non plus. Donc, Elisabeth, peux-tu me laisser un message sur ma boîte email? Donc, généralement, tu retrouveras sur cette vidéo, je la mettrai sur cette vidéo. Donc, si tu peux me faire un petit message pour que je puisse avoir ton adresse, et je t'enverrai donc l'ATC dans les meilleurs délais. Donc oui, parce que j'ai eu énormément, je suis très en retard dans toutes mes créations. Et donc, il a fallu... C'est pour ça que je fais ce tirage au sort très tardif. Donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur et que vous m'excuserez pour ce petit inconvénient. Je voulais vous montrer, j'ai reçu du courrier cette semaine et je voulais vous montrer donc des APC reçus de la part de Chanel Scrap, de Nathalie. Alors voilà, elle m'a envoyé un très très bel APC sur le thème de Mimi. Et c'est la série 1 sur 1, donc de Chanel Scrap. Là, très très jolie, donc avec des très beaux brillants, très très jolie, avec une très belle découpe. Voilà, merci Nathalie. Et une deuxième, alors sur le thème de la rose, donc elle sait que j'aime beaucoup les roses. Elle a également mis du glossy sur les feuilles, enfin sur les pétales, pardon, sur les pétales.
Et ça fait un très bel effet. Donc, merci beaucoup, Nathalie. J'ai reçu également une enveloppe de Dan, de... Son prénom, c'est bien Daniel. Oui, voilà, c'est de Daniel, de la chaîne Dan G2 Commun. Alors, en fonction, donc je lui avais envoyé des ATC, elle m'a fait une très très belle enveloppe en me mettant ce superbe ATC, pardon, ce superbe tag. Donc là, alors, avec un petit brad. Donc là, des jolies fleurs avec de la jolie dentelle. Ici. Donc là, en dessous, un très joli. Comment ça s'appelle? Voilà, aujourd'hui, je cherche mes mots. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Après, avec une jolie. Ici, des jolis. Un ange. Des jolis ensemble de fleurs blanches. Ici, une perle en résine. Enfin, une rose en résine. Avec ici. Une très belle étiquette en matière oh, j'ai un trou. Excusez-moi, là ici c'est trop, je cherche mes mots. Ici un très joli papillon. Alors, en fait c'est un qui est sorti avec la dentelle, hein, donc très joli. Une très rose, une très belle rose. Donc un petit tag printanier très très joli. Merci à toi, Daniel. Également des ATC, des superbes ATC. Et j'ai même pas, je les ai laissés dans le. Alors celui-là, très très beau. Donc là, c'est. Je regarde parce que c'est. Sur le thème de l'automne. Alors, c'est sur le thème de l'automne. Ton sourire est un vrai rayon de soleil. Avec un embellissement métal. Et puis, une jolie petite fleur. Donc, c'est la série 3 sur 3. Donc, merci à toi d'un jet de commun. Et encore une, donc celle-ci sur le thème de Pâques. Oui, Pâques. Alors là, avec un très joli lapin, avec un beau nœud. Si c'est très beau ça. Sur le petit panier. Et là, c'est une breloque. Là. Donc, c'est très joli. Alors, avec ses ATC, elle m'a mis plein de petites découpes. Très, très bien. Merci. Oh, j'avais pas vu. Ah non, je pensais que c'était des découpes, mais non, il y a autre chose. Ah, c'est très beau en plus. Ah. Une jolie épingle à tirer, et à chaque fois je cherche mon mot. Quand je suis pour faire la vidéo, je cherche toujours le mot. C'est un terme, et comme c'est un terme que je ne connaissais pas, je n'ai pas bien retenu ce terme. Donc là, c'est très très joli, ça fait avec un papillon. Très beau. Avec de jolis papillons découpe. Donc, ah ouais, donc, de très jolis papillons découpe. Ça, c'est des papillons, pareil que je. Des dailles que je ne possède pas, donc ça m'intéresse beaucoup. Oh, c'est trop, trop chouette.
trop chouette les papillons. Donc c'est des dailles que j'ai pas, celle-ci. Et après les petits. Donc. Et encore des petites surprises à l'intérieur. Ah oui, donc un petit papillon. Un comme ça. Et un autre. Et là, de quoi faire une cocarde. Donc là, c'est super. Merci. Donc j'aurais plus qu'à faire la cocarde. En plus, c'est une petite. Hein. Alors c'est super parce que moi j'ai un die mais elle me fait des grandes. Elle ne me fait pas des petites. Donc merci beaucoup Daniel pour ces découpes. C'était très très gentil. Également, il m'en a refait là. Un petit encadrement. Ici, ça, c'est très bien. Des petits ronds festonnés. Vert, rouge. Donc ça, oh, c'est joli ça. Une tête à coiffer. Donc là, une nouvelle. Encore ici. Très jolie. Encore. Oh, elles sont très belles, des jolies fleurs. Donc. Ici. Très joli encadrement. Recto verso. Joli, ça c'est très joli aussi, en blanc et en vert. Alors là, pour faire de la carterie, c'est très très bien. En fonction des thèmes que l'on travaille, et ça aussi, un très bel encadrement. Donc merci à toi Daniel pour m'avoir envoyé tout ça, ça me fait très très plaisir. Et elles me serviront très très bien pour faire des cartes. Donc voilà, je pense que s'achève cette petite vidéo. J'ai des encours en ce moment et c'est toujours très très difficile de toujours pouvoir boucler à temps. J'ai également des vidéos tuto à faire que je n'ai pas pu faire, notamment sur le bustier. C'est en prévision. Dès que je suis en vacances, parce que les vacances s'approchent rapidement, je pourrai les faire, je serai plus sereine pour les faire. Et je me mettrai à jour dans tout ce que je devais faire. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Bisous.